Chers Congolais, je me tiens devant vous pour répondre à un soi-disant leader congolais et leader katangais, puisque moi je suis un katangais. Je réponds à M. Christian Mwando. Monsieur Christian, vous avez parlé de la rue, qu'après la publication des résultats, puisque vous, votre candidat ne va pas passer et que les gens doivent aller réclamer sur la rue. Est-ce que vous, d'abord, vous connaissez la rue? Vous, Monsieur Christian, vous connaissez la rue? Vous avez fait la rue où? Est-ce que vous, là où vous êtes, vous n'avez même pas de fanatiques? Vous n'avez même pas de militants? Vous n'avez même pas de combattants? Alors, de quelle rue vous êtes en train de parler? Il ne faut pas distraire les gens. Monsieur Christian, il ne faut pas distraire les gens parce que moi, je vous connais personnellement. Ok? Même les gens de votre quartier ne peuvent pas voter vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé à Moba, à Kalemi, ne fût-ce que pour encore profiter et hériter du nom que papa a laissé. En dehors de ça, vous, on ne vous connaît pas. On vous connaît d'où? Parce que quand vous étiez ministre de Finances au Katanga, puisque le Katanga vous a tout donné, vous êtes fait appeler argentier du Katanga. Argentier du Katanga avec quel argent? L'argent du contribuable. Vous avez été ministre de Finances. Vous avez asphalté une avenue qui est allée jusqu'au niveau de votre barrière. Ça s'est arrêté. Et le pauvre Congolais, les pauvres voisins n'ont pas bénéficié de cet asphaltage. Et vous allez dire que vous, vous êtes un patriote. Vous, là, 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 vous êtes un patriote. Arrêtez ces histoires-là, M. Christian. Vous avez parlé de la victoire, que Kadima va vous voler la victoire. De quelle victoire il va vous voler? Même s'il s'avérait qu'aujourd'hui, le Katanga pouvait voter Moïse Katumbi 100% et que M. Félix devrait avoir 0%, ce n'est pas pour autant que M. Katumbi devrait passer président de la République. Arrêtons de manipuler la population, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas normal. Le Katanga n'est pas la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, avec les résultats qui sont sortis, qu'on n'a pas eu à voter massivement le chef de l'État, oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les soldats que le chef de l'État a envoyés n'ont pas fait une bonne campagne, ils n'ont pas fait la campagne pour que cette majorité silencieuse qui aime le chef de l'État pouvait le voter. C'est juste ça. Parce que ces gens avaient un pied dedans, un pied dehors. Et ces gens étaient en train de faire, comment est-ce que j'appelle, la propagande pour vous. Voilà maintenant pourquoi vous êtes en train de réclamer. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis un Katangais. Nous assumons, bien que les soldats que le chef de l'État avait envoyés pour sa campagne n'ont pas été à la hauteur, nous, nous sommes là. Nous, nous assumons, ok, et que nous, nous allons continuer cette bataille. Autre chose, M. Christian, vous avez parlé de votre papa, que son âme repose en paix. Mais même là où il est fâché contre vous parce qu'il a laissé un patrimoine katangais qui était l'UNADEF. Vous, vous avez vendu ce parti politique. UNADEF aujourd'hui existe. Mais avant que papa Mwando ne meure, il avait laissé ce parti. Ce parti est où? Par votre cupidité, parce que vous voulez tout hériter et tout détruire. Voilà maintenant votre leader là qui vous demande, à vous les Katangais, d'aller sur la rue pour revendiquer. Demandez à lui-même d'aller sur la rue. Comme ça, ça sera la première personne qui va défier l'État, qu'on va arrêter par la police, on va le mettre en ouf et il comprendra c'est quoi l'autorité de l'État et c'est quoi la rue. Arrêtons de faire semblant. Toi, tu ne connais même pas les sentiers politiques de la rue. De quelle rue, toi, tu veux parler? Toi, tu connais la rue, toi? Toi-même, quand tu regardes là, tu as déjà eu même une pierre sous ton corps, là, pour la rue? Tu as déjà eu un fouet? Arrête ces histoires-là. Toi, tu seras dans ton salon climatisé et tu envoies les Katangais. Cher Katangais, il ne faut pas suivre cet appel de ce soi-disant leader. Il n'est pas un leader. Lui, il hérite tout de son père. On lui a laissé un patrimoine katangais qu'il a vendu. Et vous allez faire confiance à une personne comme ça? Arrêtez cette histoire. Ce monsieur, même ses amis, ne sont pas avec lui. Quand il était ministre, il suffirait seulement qu'un de ses amis l'appelle pour lui dire « Bonjour Christian ». Il se fâchait parce qu'il voulait se faire appeler toujours « Excellence honorable ». Voilà maintenant sa nervosité, il veut toujours rentrer encore dans le système. Arrêtez ces histoires. Cher Katangais, après la victoire, nous devons célébrer la victoire de la personne qui va remporter les élections avec une coupe de champagne et en train de glorifier l'Éternel. Merci beaucoup.